Superbe journée. Écoute, ça doit faire 10 ans que j'ai pas joué l'Omnium printanier ou que j'ai joué le Beaconsfield. Donc, j'étais très excité là, de jouer ce parcours. Très belle journée. Conditions extraordinaires. C'est sûr qu'il y a beaucoup de terrain qui en arrache là, dans les environs, mais Beaconsfield est en super belle condition. Et puis, super belle journée. Je suis très content de mon jeu. J'ai mis beaucoup d'efforts là, dans mon jeu dans les derniers jours, étant donné que je ne fais pas beaucoup de compétition. Ayant été avec le circuit de la PGA là, les 10 dernières années, je n'ai pas joué beaucoup de compétition. Maintenant, étant à Laval, représentant le club de golf Laval-sur-le-Lac, je donne beaucoup de leçons et puis je m'implique avec le club. J'ai eu le temps de pratiquer là, les derniers jours et puis ça a porté fruit. J'ai joué le moins 3 sur le premier 9. Je me suis battu très fort là, pour jouer moins 3 sur le premier 9. J'ai frappé beaucoup de coups erratiques, mais je m'en suis sorti quand même très bien. Ensuite, j'ai birdé le 10, j'ai birdé le 12. Donc, j'étais à moins 5 après 12. Et puis, malheureusement, j'ai fait des bogeys au 13 et 14. Et puis, j'ai tout simplement changé de balle. J'ai décidé que cette balle-là ne voulait plus jouer. Puis j'ai birdé le 16 et 17 là, pour revenir à moins 5. Et puis, une belle normale au 18 là, qui était suffisante. J'ai pas super bien sorti du tee aujourd'hui, mais j'ai été très patient toute la journée. Mon père m'a aidé beaucoup à sticker à mon game plan. Puis j'ai resté patient toute la journée, puis ça a payé beaucoup. Le premier trou qu'on a joué, j'étais dans le rough à droite. Mais mon game plan au 18, c'est de rester toujours short du trou parce que derrière le green, c'était impossible de faire birdie. Fait que premier trou, j'ai frappé dans le rough à droite, je l'ai laissé short, j'ai fait birdie. Puis le deuxième trou de prolongation, je l'ai frappé dans le fairway, je l'ai encore laissé short, j'ai fait deux pas de birdie, puis c'était assez pour gagner.